Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Alors la peinture au lait, c'est une peinture qui est faite, tu vois, avec de la caséine. La caséine, c'est la protéine du lait, hein. Alors c'est vachement bien parce que c'est un peu naturel. Moi j'aime bien. Puis c'est fait avec de l'eau aussi. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pratique pour nettoyer les outils. Voilà. Maintenant tu te casses. Je vais dans ta chambre. Comment on fait les bébés? Obsédé. Et salut les boiseux. Et surtout les boiseuses. Oui, parce que les mecs, bon, j'ai rien contre vous, hein, mais voilà. Comprenez quoi. Aujourd'hui, on s'intéresse à la peinture espagnole. La peinture au lait. Alors, ça fait longtemps que je voulais faire un petit peu une vidéo là-dessus, parce que quand j'ai refait la pièce à vivre de la maison, j'ai utilisé un mélange de chaux aérienne qui est donc très blanche, qui permet d'obtenir un blanc qui me plaît beaucoup. Mais si on se contente de faire un badigeon de chaux, bah après quand on passe et qu'on frotte par exemple avec les vêtements, bah le blanc reste. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que dans ce genre de mélange, on rajoute de la caséine. Et la caséine, c'est les caséines, parce qu'en fait il y a plusieurs protéines, mais je crois qu'on s'en fout de ça. Hein. Ce sont les protéines du lait, notamment du lait de vache. Il y en a aussi dans le lait maternel, mais moins. Je crois qu'on est à 80% dans le lait de vache et à 40% dans le lait maternel. Mais on s'en fout aussi, ça, on est d'accord. Bien. Donc, en tout cas, c'est un produit qui est relativement naturel. On l'extrait, voilà, et puis ça se vend en poudre. Hein. C'est une poudre blanche. Donc il faut le rajouter dedans parce que ça permet de fixer en fait la chaux et d'éviter d'avoir cet effet un petit peu voilà quand on se frotte dessus. Voilà. Par contre, ça a l'avantage de faire un blanc qui est très très mat et qui a un éclat assez particulier que moi j'apprécie beaucoup. Je voulais travailler un petit peu avec ces peintures-là. Alors, je vais vous dire après où je les ai achetées, pourquoi, etc. Mais je voulais travailler avec ces peintures-là, donc faire des tests et obtenir l'apparence un petit peu crayeuse que peuvent avoir ces peintures-là. Parce que ça me plaît, j'aime pas le côté brillant des peintures quand on peint le bois. D'une manière générale, j'aime pas peindre le bois. Mais là, en l'occurrence, on va voir qu'on peut obtenir des trucs sympathiques. Voilà, donc j'ai acheté plusieurs couleurs. Donc j'ai acheté du blanc. Ils appellent ça robe de chambre, mais en fait, c'est du blanc. Alors j'ai acheté du blanc parce que ça permet en fait de mélanger avec les autres et d'obtenir des nuances plus claires, par exemple. Et puis j'ai acheté terrarium, enfin bon bref, après les goûts et les couleurs. Par contre, ce que j'ai acheté aussi, et qui est quand même assez important, j'ai acheté un nuancier. Voilà, et qui permet de se rendre compte un petit peu des couleurs de la gamme. Et puis je regarderai un petit peu si les couleurs du nuancier correspondent bien. Voilà. Sachant qu'un nuancier, en général, on l'utilise plutôt comme ça, pour se donner une idée. Et on évite de faire apparaître en fait les autres couleurs parce que ça peut perturber, sachant que notre œil fonctionne beaucoup par comparaison. Voilà. Donc j'ai récupéré ça. Et ensuite, j'ai acheté une cire, donc de la même marque, qui se passe par-dessus. Et qui permet de rehausser un petit peu la couleur. Donc, je vais faire à chaque fois un essai avec et sans pour se donner encore une fois une petite idée de bah, du résultat, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, au niveau de la façon dont ça se présente, c'est une poudre. On va voir ça. Et ça se mélange avec de l'eau à raison de 50-50, c'est-à-dire un volume de poudre pour un volume d'eau. C'est pour ça que j'ai amené ma petite dosette. Voilà. Donc là, je vais en faire vraiment très très peu, c'est pour faire des échantillons. Et d'ailleurs, j'ai donc des chutes là que j'utilise comme échantillons qui font moins de 60 cm, et ben je les garde, dis donc. Bonjour, Benoît. Donc j'ai préparé des bocaux propres. Alors, on peut mettre la poudre dans l'eau ou l'eau dans la poudre. Moi, j'aime bien mettre l'eau dans la poudre parce que, en fait, comme je le mouille après, je peux plus mettre de poudre dedans. Je peux plus aller récupérer ma poudre. Alors que là, l'autre avantage de ces peintures-là, en tout cas, moi, je trouve, c'est que comme ça se présente sous forme de poudre, on n'a pas de problème, avec le fait qu'elles peuvent sécher, etc. On prépare ce dont on a besoin et on ne gaspille pas. Alors, je ne vais pas faire tout de suite les tests avec les blancs, hein. Ça on verra plus tard. Aujourd'hui on fait simple. Et je referme. Alors si, avant de continuer, donc je vais faire ça d'abord, parce qu'il faut que ça repose un petit peu. Donc je fais ça d'abord et
Je vous parle du site après. Donc là, j'essuie un petit peu mon verre pour éviter d'avoir des traces d'une autre couleur qui pourrait venir polluer ma couleur. Hein ? Voilà, on essaie de travailler proprement quand même. Toujours mieux. Non, je ne veux pas picoler. Alors pour le dosage, hein, c'est approximatif. Ça veut dire que si vous trouvez que la consistance est trop liquide ou trop épaisse, eh ben, il faudra rajouter soit de l'eau, soit de la peinture, selon. Mais là, moi, ça me semble pas mal. Théoriquement, on est censé mélanger avec, d'après les instructions, notamment sur le site web, on est censé mélanger avec un petit fouet, un petit, comme pour les œufs, voilà. Et comme j'ai pas d'ustensile de cette taille-là, ben moi j'utilise tout simplement des petits bâtons en bois. Encore une fois, c'est pour les petites quantités. Après, si je fais autre chose que des échantillons, je suis un petit peu plus sérieux dans la préparation. Voilà, donc on touille. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles. Et il faut laisser reposer un petit peu et retouiller. Ça fait longtemps que je voulais acheter ça. Pratiquement tous les sites que j'avais vus commercialiser ça plutôt au Canada, c'était un peu embêtant parce que ça faisait des frais de port hallucinants, voire ils expédiaient pas du tout vers la France. J'ai cherché pendant longtemps et je suis tombé sur le site de Michel Nadahi. Alors je pense qu'on dit Nadahi parce qu'il y a un tréma sur le i, qui n'est rien d'autre que meilleur ouvrier de France dans sa spécialité, hein, sur la partie, alors peut-être dire une bêtise, tout ce qui est fresque, tapisserie, etc. Je vous laisse aller voir son site, c'est bien expliqué ce qu'il fait. Donc je pense que c'est pas un plouc le garçon, donc ça c'est un premier point. Et puis en plus de ça, ils sont extrêmement sérieux. Donc je vous mets l'URL dans la description, bien entendu. Vous trouverez bah, tout ce qu'il faut sur la peinture au lait, mais aussi les techniques de finition, avec tout ce qui est peinture craquelée, ou voilà, choses comme ça, pour les vieux meubles, enfin voilà, pour ceux qui aiment. Moi, c'est pas trop mon truc, hein, ces effets de matière-là, mais en tout cas, c'est vraiment bien expliqué comment faire. J'ai trouvé ce site-là, j'ai passé une commande, il m'est arrivé une petite aventure, et vous allez voir que c'est intéressant. Quand j'ai passé ma commande, je voulais des paquets de 330 grammes, hein, parce que, après, je crois qu'il n'y a pas plus gros en plus. Et comme j'en trouvais pas, sur un des tons que j'ai commandé, j'ai pris 5 paquets de 70 grammes ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement, ou de 60 grammes, je ne sais plus. En tout cas, j'ai pris des conditionnements plus petits. Donc ça me revenait plus cher, mais bon, bah, tant pis quoi. Voilà. J'ai passé la commande, je crois, c'était le 26 décembre ou un truc comme ça. Vraiment, ouais, le lendemain de Noël, je crois. Le matin, j'étais dans la voiture. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais alors pourquoi vous avez commandé plusieurs de celui-là? Parce que, voilà, je dis, ben écoutez, voilà, il n'y avait plus de l'autre. Ah non, mais c'est une erreur de référence. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont remplacé par le conditionnement plus gros et ils m'ont recrédité ma carte bancaire du Delta immédiatement. C'est arrivé parfaitement bien emballé, impeccable. Tout était nickel, le suivi de commande est impeccable. Voilà, donc c'est un site très sérieux, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je précise au passage que j'ai strictement aucune action, aucun intérêt dans le site. J'ai payé ma commande comme tout le monde, voilà. Mais quand un site est sérieux, je pense que ça vaut le coup de le dire. Voilà. Alors, vous voyez, là, je sens quand je touille que c'est un tout petit peu retombé dans le fond. Donc, ils le disent hein, dans la préparation. C'est important de bien touiller au fur et à mesure que vous allez faire la peinture. Tout simplement, les pigments et tout là qui se sont hydratés. Voilà. Je vais en prendre un des deux et on va voir ce que ça donne sur le bois. Alors on va passer deux couches, et puis comme ça on va essayer de se faire une petite idée de ce que ça donne. Sachant que je vais passer deux couches, j'ai séparé mes échantillons en deux à chaque fois, pour voir les deux tons. On passe deux couches, il faut attendre entre chaque couche, c'est pas bien mélangé là, il faut attendre entre chaque couche à peu près 30 minutes le temps que ça sèche, donc c'est pas très long. Il faut attendre 30 minutes tout le temps que ça sèche avant de passer à l'autre couche. On préconise un égrenage. Sur le chêne, ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai brossé, le chêne, sur une partie, pour voir un petit peu ce que ça donne quand on a la veine du bois qui ressort à travers la peinture. Alors, j'ai pris deux pinceaux pour ne pas avoir besoin de trop les nettoyer à chaque fois. Voilà. Bon, je pense qu'on va y aller un petit peu plus... Alors ça couvre assez bien quand même. Je ne sais pas si elle est bien mélangée. Alors ça sert à rien de trop la tirer.
sûr, il faut pas non plus que ça coule. Voilà, je vais faire ça sur mes trois bois. Alors, sur les bois tanniques, pour éviter les remontées de tanins, chose que j'ai pas fait là, parce qu'encore une fois, c'est juste des échantillons pour me faire une idée. Pour les bois tanniques, soit vous mettez une gomme laque pour bloquer les remontées de tanins, hein, sans que c'est le cas du chêne. Moi, je l'ai pas fait, mais si vous avez du chêne à faire, faites-le. Moi, c'est juste pour me faire un petit échantillon. Et sinon, alors donc, vous avez soit la gomme laque, soit sur le site, ils vendent un primaire qui permet également de remonter de bloquer les remontées de tanins, de remonter les bloquer. Donc ça sèche assez vite. Et on voit sur la première que ça a déjà commencé à sécher. Alors là, on voit beaucoup plus ce qu'on pourrait imaginer être les traces du pinceau. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai passé un coup de brosse métallique sur le bois pour faire ressortir le veinage. Voilà. Donc je ne sais pas si on... Ouais, si quand même on voit sur... Hein? Là, on voit bien les... Le bois dessous. Là, bah, on voit moins bien, forcément. Et là, bah, c'est un peu le même combat. Donc, les bois dans l'ordre. Donc, ça doit être du pin. Donc, c'est vraiment de la tablette pin de GSB. Ça, c'est de l'érable. Et ça, c'est du chêne. Voilà. Et je vais faire donc l'autre couleur. Alors, c'est vrai que ce serait effectivement. J'allais dire un peu moins, enfin un peu plus pratique avec un fouet pour touiller. Voilà, je vais essayer de pas trop. Celle-ci semble un peu plus liquide. Voilà, volontairement, tant pis, hein, je laisse un peu de blanc là, mais comme ça, j'évite de m'approcher du verre et de polluer ma peinture. Je suis allé un peu fort sur le. Voilà, bon, on va aller sécher, on va aller sécher, on va aller sécher, on va aller sécher une demi-heure. Et puis bah, après, on se retrouve pour la suite. Bon. Donc, ça a séché. Alors, j'ai commencé à faire un égrenage. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, allez, sans commentaire, c'est n'importe quoi, je vais repasser une couche et puis voilà, je suis parti avec la cale à poncer comme un bourrin, alors que l'égrenage, c'est juste... Voilà, et ça suffit. Il n'y a pas plus. C'est une erreur. On va retouiller un petit coup. Alors vous ne le voyez pas. Parce que à la caméra ça se voit pas, mais quand on touille, ben on se rend compte effectivement que au bout d'une demi-heure, il y a un petit dépôt qui se fait au fond, donc c'est important de touiller. Pas beaucoup de choses à dire, hein. Voilà, je passe ma deuxième couche tranquille. Donc, je pense qu'un truc important quand même sur la première couche. Les pigments sont pas forcément super bien mélangés. Puis je vois que j'ai un petit peu des petits dépôts. Ça, c'est parce que j'ai pas remué avec un fouet correctement. Voilà. Donc ça aussi, c'est un truc important. Bon, alors ils disent une à deux couches sur le site, mais selon moi, les deux couches sont quasi indispensables. Hein. J'ai dit on touille. Là, on voit qu'on couvre beaucoup mieux qu'à la première couche, ce qui est quand même assez logique. Voilà, donc même combat, on boit un café. On va nettoyer les pinceaux. Et on verra ensuite pour la couche de protection. Donc ça a séché, je suis assez content du résultat, c'est assez correct. Alors, je sais pas si on voit, mais sur le chêne, j'aime bien l'effet texturé, justement. Hein, donc, on pourrait penser que la peinture a des différences de couleur, mais en fait, pas du tout. Ça laisse juste cet effet de relief qui est assez sympa. Donc, je vais égrener. Alors,
pas comme un bourrin comme tout à l'heure. Donc 240. Alors ça, c'est mes bêtises de tout à l'heure, donc on n'en reparle pas. C'est pas la peinture, c'est moi qui l'ai mal appliqué. Hein. Voilà, et on va voir ce que ça donne avec la cire. Normalement, ils disent de la passer au pinceau et je pense que c'est pour éviter ce qui est en train de m'arriver là. Sur le chêne, j'en passe pas. Histoire de garder un échantillon un peu neutre. On fera un petit polissage. En attendant, j'essaie de vous montrer dans le détail ce que ça donne sur le chêne. Ah, donc ça donne cet effet là. On voit bien la texture du chêne et ça je trouve que c'est assez sympa selon ce qu'on fait. Bon, sachant que j'ai pas trop brossé par là parce que je tenais le bois là. Hein. Donc je brosse à la brosse métallique. Donc là, j'y suis allé avec une brosse de ce type-là. Alors, c'est un peu violent, mais c'est parce que je voulais vraiment forcer. Après, on peut y aller aussi à la brosse laiton, mais dans ce cas-là, on aura un relief moins prononcé. Donc ça, c'est à voir un petit peu comment vous voulez faire les choses. Et on voit bien la différence entre là, c'est beaucoup brossé, et là, ça l'est quasiment pas. Hein. On est beaucoup plus lisse. Donc, la cire a séché, pas tout à fait entièrement parce que je suis un peu court en temps, mais suffisamment pour que je puisse passer un petit coup de polissage. Donc, c'est comme j'en avais parlé déjà dans une vidéo, hein, brosse Tampico, on brosse la cire, et ensuite, on peut apporter un petit peu de brillance. Alors, faut bien utiliser un chiffon non pelucheux pour éviter de flinguer des chiffons. J'ai voulu faire avec un petit morceau de papier et c'est une erreur parce que ça laisse des peluches. Voilà. Donc là, ça c'est le test que j'ai fait tout à l'heure. Donc je pense que là j'ai un problème. À mon avis, j'ai une remontée de résine ou quelque chose comme ça parce que c'est pas possible ça. Donc là, ça se passe nettement mieux. Ce qu'on voit ici, hein, c'est un nœud, voilà, qui est assez moche. Bon, encore une fois, ça c'est du panneau. Voilà. Donc le là, on voit que j'ai des remontées de résine. Donc ça, c'est du panneau de grande surface. Je ne suis pas forcément super content, mais je pense que j'aurais dû mieux préparer mon support. Un petit coup de fondure là-dessus, ça aurait peut-être pas été du luxe. Voilà. Là, par contre, j'aime bien le résultat. Ça donne une espèce d'aspect... enfin, ça brille un tout petit peu, mais pat trop. On est un petit peu... Ça reste assez mat. Donc ça, j'aime bien. Et là, bah là... c'est très crayeux, mais à mon avis, ça doit être fragile parce que je pense que si je passe le doigt, j'ai déjà un petit peu de peinture qui reste. Donc, à mon avis, on est quasiment obligé de passer quelque chose dessus. Il faudra que je vois ce qu'il existe comme produit. Mais j'aime bien l'aspect, en tout cas, avec la cire. Voilà. Donc, je voulais tester ça avec vous. Et ben, j'aime bien le résultat quand même, malgré tout. Voilà, donc si ça vous dit, bah, vous vous rendez sur le site, puis si ça vous dit pas, vous y allez pas. Sur ce, moi je vais vous laisser. Si vous voulez bien avoir l'obligeance de vous barrer de mon atelier, parce que j'ai des trucs à faire, voilà. Déjà, il faut que je finisse mon café. Puis il faut que je me renseigne sur cette histoire de bouteille de lait là, parce que j'ai pas très bien compris le rapport avec les bébés. Ouais, je trouve quelqu'un pour m'aider à faire des tests.